Hey yo les petits potes, c'est Pilou, bienvenue sur Pixel TVs. Aujourd'hui je vous balance la rediffusion de lundi dernier sur Twitch où j'ai ouvert des boosters de cartes Pokémon. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire là-dessous et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouveaux contenus et puis je vous laisse avec le visionnage de cette vidéo. Bon visionnage et puis à tout à l'heure. Salut YouTube, c'est Pilou sur Pixel TVs et aujourd'hui on va ouvrir la display, on va ouvrir deux displays. Ce sont les boîtes que j'ai complètement éclatées, du coup c'est Tortank VMAX et Florizarre VMAX. J'ai déjà tout ouvert, dedans il y avait quoi? Il y avait les cartes promotionnelles, donc Tortank et Florizarre. Il y avait en Giant Card, il y avait les deux petites cartes promotionnelles qui sont déjà sous sleeve et tout. Donc vous pouvez regarder, hop, super. Si vous achetez les boîtes, vous aurez exactement les mêmes produits que moi, mis à part les cartes qui sont dans ces displays-là, dans ces boosters. Et vous aurez en plus, en prime, des petites sleeves. Des petites sleeves, thème Florizarre et Tortank. Et du coup, c'est super sympa. Mais ce n'est pas le but de notre vidéo aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est des grosses cartes. Alors, on va commencer tout de suite. Et du coup, par quoi on va commencer? Par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par les Ultra Prismes. Alors je connais pas trop les poules qu'on peut avoir dedans, j'espère que ce sera des bonnes cartes. Et puis voilà, voilà. Et ben c'est parti les amis, let's go. Alors, premier booster, poubelle. Par contre, pour les codes qui sont dans les boosters, je vous les offre, il n'y a pas de problème les amis, moi je les utilise pas du coup, ou du moins pas pour le moment. Les cartes promotionnelles, j'aime bien les avoir, mais les cartes random comme ça, je m'en fiche. Donc du coup, ça c'est pour vous. Si vous voyez pas assez, hop, voilà. Et poubelle. 1, 2, 3, 4. Ok les amis, premier booster sur 8. On va essayer de toper du gros. Et on va dire pour commencer, énergie fire. Ouh, c'est une énergie de ténèbres. Oh là là les potos. Encore une fois, je me suis spoil, mais c'est pas grave. Allez, go, on y va. Énergie ténèbres, trèfle marquant. Je connais pas toutes les cartes qui sont dans ces displays. J'ai pas joué aux générations Pokémon de ces displays là, donc je connais pas tout quoi. On va découvrir ensemble. Donc Gouroutan, c'est sûrement un orang-outan. Cranidos, ah ouais, je le connais. Ah, il faut avoir un fossile pour le faire évoluer. Ah ouais, je savais pas que tu pouvais faire évoluer des fossiles dans Pokémon. Ça c'est super cool. On a Rapion. Rapion, ouais, je connais, il évolue en une sorte de Scorplan là. Wistikram, oh nickel Wistikram. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai toujours mon objectif de compléter, d'avoir tous les Pokémon en carte. Donc je m'en fiche de la rareté, tant que je les ai tous, ça me suffit. Watermac, Lapourey, Vortante, et derrière. Ok, on est sur l'avant-dernière carte, attention. Ouh, ça brille, c'est quoi? C'est un Blizzaroi en reverse. Super. Nickel, et derrière, ouh, oh, un Necrozma, aile de l'aurore, en GX, waouh, pas mal, premier pool, petite carte GX, du coup, rituel, une sleeve, de toute façon, dès que ça brille, moi je sleeve. Salut papy, je rigole, ouais, bien sûr que je donne les QR codes, y'a pas de problème papy, je rigole, je fais juste ça, tranquille, dès que j'ai des gros pools. Pour le moment, je viens de commencer, j'ai ouvert un seul booster. Du coup, premier booster, je top un petit Necrozma GX. Ça fait plaisir, c'est cool. Hop, hop, hop. Et on a topé aussi un petit Blizzaroi. Donc lui, il n'aura pas le traitement spécial parce qu'il est reverse. Hop, petit Blizzaroi, reverse. Je vous pose les cartes ici. Ça va à la poubelle. Enfin, pas à la poubelle, mais ça va là. Et on continue. Ok, du coup les potos, on est sur le deuxième booster, le deuxième des 8 boosters. Est-ce qu'on va encore avoir de la chance? Moi je pense que oui, hein. Je pense qu'après une ouverture comme ça sur le premier booster, on tape une petite GX sympa là. Le code, il est pour vous, papy je rigole, tranquille, tu peux le prendre, il n'y a pas de souci. Poubelle. Et on est parti pour le deuxième booster. Attention, énergie plante. Ah, assis. Flo, Primplouf, Trèfle Manquant, Cradopo, Archéomir, Grignot, Pachirisu, on a quoi derrière? Hop, on a encore une carte, Pachirisu, Yanma, et derrière Yanma, avant-dernière, attention, oh, ça brille, c'est une reverse solo, c'est quoi? Oh, c'est un Magnéti en reverse, super, ça fait plaisir, et derrière,
Oh, on n'a rien. Ah, ça, c'est trop de la merde. Ça brille même pas. C'est nul. Nul, nul, nul. Ok. Bon, ben, on va se livrer le petit magnétis au calme. Ah, j'aime bien quand ça brille. Ok, magnétis bizarre en reverse. Ok, on a fini du coup les deux boosters. C'était quoi les boosters? C'était les boosters ultra prisme. On va passer à ténèbres embrassées. Donc, on a deux boosters ténèbres embrassées. Du coup, ça, c'est les cartes. Random ou Zif. Ouais, ouais, bien sûr, je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir du coup deux ténèbres embrasées, ensuite quatre styles de combat. Et après, normalement, je devrais avoir une petite commande de cartes qui arrive. Et ben, on va découvrir ça ensemble aussi, la petite commande. Je pense qu'il y a 150 cartes avec quelques cartes brillantes dedans que j'ai achetées sur un particulier. Et ben, elles arrivent dans pas trop trop longtemps, normalement. Vous devrez avoir la livraison directe, si tout se passe bien. Ok, hop, hop, le petit code, ça c'est pour vous. Oh, il est à l'envers. Ok, le petit code, cadeau. Hop, oh, je sais pas si vous voyez bien. On va mettre comme ça, voilà. Putain, l'autofocus de la caméra. Pas ouf. Du coup, les potos, n'hésitez pas à follow la chaîne sur Twitch et sur YouTube. Parce que sur YouTube, vous avez les rediffusions et vous avez aussi des bonus. Donc, de temps en temps, j'ouvre des coffrets hors live. Et je mets les vidéos en bonus sur YouTube. Bien entendu, la chaîne vient de démarrer. Donc, il n'y aura pas énormément de contenu pour le moment. Mais ça va venir petit à petit, vous inquiétez pas. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 4, tout court, pop, énergie électrique. Oh, je me suis trompé. 1, 2, 3, bah, c'est pas grave, allez, je me suis trompé, on continue comme ça. Vorastéri, Poussifeu, nickel. Oh, ah, putain, je me suis trompé de ouf en vrai. Du coup, Poussifeu en reverse, et derrière, il devrait avoir une carte badass. Ok les gars? Ah, merci pour le follow, papy, je rigole, j'adore. Merci beaucoup. Et du coup, Poussifeu en reverse et derrière. Oh, ça brille, les gars. Les gars, ça brille de ouf. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, putain, l'autofocus, là. Putain, elle fait vite. Ok, ça va briller, ça va briller. Qu'est-ce que c'est? Ah, 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 c'est une carte feu. C'est un Pokémon de feu. Ah, c'est un Scolossandre V. Ok, super. Super, super. Je suis pas mécontent. Un Scolossandre V, ça fait plaisir. Bim, bim, bim. Du coup, il va sous sa sleeve avec le Poussifeu. Et du coup, on avait bien une énergie éclair. Hein, j'avais raison. Hop, hop. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Cap d'endurance, Vibranif, Front Doudou, un Solourdeau, Tic. Oh, je connais pas ce Pokémon. Ok. Ok, ok, ok. On n'a pas eu. En fait, si, 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 on a eu des bonnes cartes. Ça, c'est cool. Putain. On a eu un Scolossandre V. Nickel. Et un Poussifeu en reverse. Alors, le V, bien entendu. Il mérite sa petite sleeve. La petite sleeve rigide. Pour bien protéger la carte. Ok, bon, on est pas mal. On a une carte GX, un Scolossandre V et 3 Pokémon en reverse. C'est déjà pas mal. Sur 8 boosters, on en a ouvert 3. C'est vraiment pas mal. Je suis plutôt content. C'est parti pour le quatrième booster, les amis, de Ténèbres Embrasées. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on va drop ici là? Je me le demande. Ah putain, ces cartes sont toujours horribles à retirer là. Ça, poubelle, ça, les poteaux, c'est pour vous. Poubelle ensuite. 1, 2, 3, 4. Là, je me suis pas trompé. Et on va dire énergie water. Ouh, c'était une énergie acier. Bon, les poteaux, j'ai énormément de chance aujourd'hui, je pense. Parce que je me suis encore spoil. J'ai vu la dernière carte, elle brillait un petit peu. On verra. On laisse durer le suspense. Donc, énergie, poltergeist, solarock, cabu, tic, encore un tic. Quoi n'est-on? Waouh! C'est quoi ce Pokémon, bro? What, what? Ah, lui, je connais. Lui, il est cool. Paras, hop, scrutez-la. Et attention, avant-dernière carte, les poteaux. Ouh, oh, c'est une reverse. C'est un Pyrax. Ok, super. Super joli. Bien, 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 belle carte, belle carte. Et derrière, oh, ça brille les gars, ça brille, ça brille. Oh, c'est un Rhinastock V. Pas mal du tout. Ah, oh, ça fait plaisir. Oh, 2 V, 2 boosters, 2 V. Putain, j'ai été gâté par les ténèbres embrasées là. Ça, ça fait plaisir. Hop, vu que c'est une carte V, on la met dans sa sleeve, instant. Petit rituel les amis. Ceux qui ne connaissent pas, vous ne pouvez pas comprendre. Et du coup, mon petit Rhinastock en V, ça fait plaisir. Putain, on est sur un bon pool, hein, les amis. On est sur un bon pool. Il reste encore 4 boosters à ouvrir et on a déjà pool tout ça.
C'est vraiment, vraiment trop cool. Ça, on va mettre de côté. N'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo, les amis, si il y a quelque chose qui vous plaît, s'il y a quelque chose qui vous déplaît. Ça va me permettre à moi d'améliorer la qualité des streams et du coup, vous proposer du meilleur contenu pour la suite, quoi. Du coup, c'est cool pour tout le monde. Ah, alors les codes. Ouais, je te mets les codes tout de suite un petit peu plus près. Et c'est parti, ça c'est pour vous. Normalement, tu le vois bien. C'est l'autofocus, ça déconne là, ça fait chier. Hop. Ouais. Ah, voilà, là ça devrait être un petit peu mieux, c'est lisible. Poubelle. Ouais, je vais vraiment essayer de faire mieux pour la qualité de cette caméra là. Là pour le moment, c'est mon portable, il est tout pété. Et je sais pas vraiment mieux comme matériel pour le moment. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Est-ce que j'ai mis les cartes? Ouais. Bon, ben, énergie, water. Et c'est parti, les amis, pour le premier pool du cinquième booster style de combat. Donc, à flamme à noir. Oh, sympa, c'est un tamanoir enflammé, genre, waouh. Urne de vitalité. Pérégrin. Ok, super. Larvadar. C'est des cartes que je ne connais pas. Oh, Molos avec écrit point final à côté. Je sais pas ce que ça veut dire, les amis. Il faut me dire. Dunaja, c'est une sorte de serpent, je pense. Excellent, Pokémon a la grosse langue. Et juste derrière, on a l'avant-dernière carte. Oui, du coup, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, oh. Oh, c'était pas l'avant-dernière carte, c'est maintenant l'avant-dernière carte, les amis. Attention, attention. Ah, 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 c'est une reverse, c'est un Nosferati en reverse. Ok, sympa. En plus, il est tricoté. C'est du tricot, ça. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh, est-ce que ça brille? Ouh, c'est trop nul, ça brille pas, j'en veux plus du tout. Il y a quand même écrit point final, je sais pas pourquoi il y a écrit point final sur ces cartes-là. Si quelqu'un sait, est-ce qu'il peut me le dire? Bien entendu, le Nosferati, il va être sous sleeve, parce qu'il brille. Et on est plutôt pas mal sur le stream, ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit message sur le chat, les amis, ça fait toujours plaisir. Ouais. Hop, du coup... Sixième booster, du coup, style de combat. On va voir qu'est-ce qu'on a dedans. Allez, là, il nous faut des gros pools, les amis. Là, il nous faut des gros pools. Parce que, au cas où vous ne le sachiez pas, je ne suis pas un énorme collectionneur, je suis un joueur. Et j'adore ouvrir des boosters de cartes. Que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh, j'adore faire ça. Et ça coûte cher, quoi. Donc, du coup, moi... dès que j'ai des gros pools qui intéressent les collectionneurs, je les revends aux collectionneurs. Et comme ça, après, avec l'argent que je récupère, je peux racheter des nouveaux boosters et ainsi de suite. Et ensuite, et faire tourner toute la machine, quoi. Tout le rouage. Ça, c'est pour vous les potos. Je sais pas si vous voyez bien. Là, ça devrait aller. Hop. Et on continue, du coup, avec le sixième booster. Attention, énergie. Plante. Oh, putain, énergie. C'est quoi ça, c'est acier? Gros tichon avec le point final. Waouh, il y en a full des cartes avec point final. Oh, Morpeko, c'est le Pikachu des ténèbres. Niveau Ball, Ramolos de Galar, Voltoutou, Cornèbre, Chétiflore. Attention, hop, avant-dernière carte. Non, c'était pas l'avant-dernière carte, c'est maintenant l'avant-dernière carte, les amis. Oh, c'est une reverse, c'est un Hippotrempant en reverse. Ok, ça passe, c'est cool. Et derrière. Ouh, de la grosse merde, le Skull Cendre qu'on avait déjà eu en V, on l'a eu en normal. Ok, c'est pas grave. Ah, c'est un style de combat dans les derniers jeux. Ok, d'accord, je ne savais pas, Todd, merci pour l'info. Du coup, pas un pool énorme sur ce booster, c'est pas grave. On a quand même eu le petit Hippotrempant en réserve, en reverse, pardon. À savoir que dans ma collection des cartes Pokémon, si j'ai des Pokémon en rareté Ultimate, je les mettrai dans la collection quand même pour compléter les trous manquants, donc c'est toujours apprécié. Ensuite, on continue. Hop, les amis, là, ça, c'est pour vous. Hop, 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 je sais pas si vous voyez bien. HH7, YLCT, 94-7, YH2, bim, poubelle. Ça aussi poubelle, 1, 2, 3, 4. Attention les amis. Énergie, fire. Ouh, combat. Combat, qu'est-ce que ça peut bien être? Corde sortie, tour de l'eau. Luxio, oh, 1000 points. Ok, d'accord, il y a des cartes 1000 points, des cartes points de finale. Super stylé.
Tiafabek. Oh, ce Pokémon, il était trop nul. Nosferati, on l'a encore. Viscuse, derrière. Ok, hop. Osley, et. Larvadar. Maintenant, avant-dernière carte, les potos. Attention. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une carte normale. En reverse, c'est un Lepidonil. Ok. Ok. Sympa. Et derrière, qu'est-ce qu'on a derrière l'Lepidonil? Hop, encore une carte qui ne brille pas. Putain! Je déteste les cartes qui ne brillent pas. Mais c'est pas grave. Il nous reste encore un booster, les amis. Et ce petit booster peut contenir une giga carte. Inch'Allah. Hop, toujours sous sleeve, l'Lepidonil, et on arrive sur le dernier booster, les amis. C'est trop dommage parce que j'aurais voulu en faire plus, mais on devrait quand même avoir quelques cartes qui devraient arriver en cours de stream, ne vous inquiétez pas. Il y en a au total 150 avec quelques cartes brillantes, et voilà. Hop. Ensuite, on continue avec le dernier booster, les amis, c'est déjà le dernier booster, putain, c'est triste. Ça va trop vite, gros. Hop, ça c'est pour vous, les potos. Je sais pas si on voit bien, ouais, là, ça devrait aller, hop. Poubelle. 1, 2, 3, 4. Le suspense à son comble, les potos. Au maximum, énergie électrique. Ok, je l'ai pas cool, mais c'est pas grave. Énergie, 1000 points. Ok, multi-exp, Wagomin, Pachirisu, Seribu, Kongfuin, waouh, un style, une fouine qui fait du Kung Fu, Dunaja, et les amis, là je pense qu'on est sur, ah non, pas encore, hop, Monsieur Mime de Galar, ah il est tout bleu, j'avais déjà vu cette carte, elle est vraiment sympa, et j'adore Monsieur Mime au cas où, yo, mais ça va, Jidotbi? Et c'est parti pour l'avant-dernière carte, les amis. Attention, c'est là qu'on va faire du gros pool. Le Pokémon sur le booster, c'est lui qui représente le style de combat. Point. Ah, ok, nickel. Ah, ouais, je vois. Bon, j'ai jeté les boosters, mais je vois de quoi tu me parles. Ok, merci pour l'info, Todd. Du coup, les amis, avant-dernière carte, attention. Oh, c'est une reverse exagide. Je pense que j'en ai déjà eu une, je sais pas. Et derrière, pour la dernière... Ça brille pas partout, c'est tout noir. Ça brille pas du tout, c'est un flagados de galère, les amis. On a vraiment pas de bol aujourd'hui. Enfin, pas de bol, tout est relatif. J'ai quand même eu 3 cartes, enfin 2 cartes V, une carte GX et plusieurs reverse. Donc, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. On va tout rentrer ça dans le classeur au calme. Et puis voilà. Hop là. Donc, on va faire un petit récap du pool d'aujourd'hui. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un Exagide en reverse. L'ours rouge. Ah oui, je vois de quel ours rouge tu parles. Ouais, il doit être par là, par terre là. On a eu un Lepidonil, un Hippotramp en reverse. En fait, j'ai eu que des reverse. Nosferapti, Pyrax reverse, Poussifleu en reverse. Alors ça, c'est cool parce que Poussifleu, je l'adore. Et en plus, son artwork, c'est de la pâte à modeler. C'est trop cool. Le Magnéti aussi est vraiment joli en reverse. Sympa. On a du Blizzaroi, très beau aussi le Blizzaroi. Du Rhinastock. Alors Rhinastock, si je sais pas du tout c'est quoi ce Pokémon, je pense que c'est l'évolution de Rhinophéros. Oh, si je me trompe, n'hésite pas à me le dire. Merci ma gueule Maverick pour le follow, ça fait super plaisir. Scolossandre et Necrozma L de l'Aurore. C'est une ultra chimère. Ah ouais, c'est quoi ce truc là, ultra chimère? Alors, je lis vite fait la carte. Invasion une seule fois pendant votre tour. Avant votre attaque, si votre Pokémon est sur le banc, vous pouvez l'échanger à votre Pokémon actif. Ok, super sympa. Ok, nickel. Flash Sound, d'accord. Eclipse, ok. Ben, c'est super cool pour les cartes qu'on a eues aujourd'hui. Ça fait méga plaisir. Ah oui, mais j'avais oublié si j'ajoute à ça mes 2 cartes promo. Là, on est sur de la grosse soirée. Sur 8 boosters, hein. J'ai fait tout ça sur 8 boosters, les amis, c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à autant, je pensais même moins. Et au final, bah, je suis plutôt content. Toutes ces cartes qui vont rejoindre mon petit classeur de cartes Pokémon. Et c'est trop cool. Ok les tipotes, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il y a encore 2-3 trucs que je devrais améliorer sur les lives et puis sur, sur les vidéos YouTube que je vais vous proposer par la suite. Mais...
je fais des tests et si vous avez des retours à me faire, n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires parce que bah, grâce à ça, je vais améliorer la qualité des vidéos. Et puis d'ici là, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.